Bonjour à tous et à toutes, nous continuons avec la préparation à Shavuot Matan Torah. Le Midrash nous raconte une chose très intéressante, une chose que nous voyons tous autour de nous, que nous connaissons tous. Quand quelqu'un, il parle, il papote, le Midrash nous dit que quelqu'un, il peut parler velolai, il se fatigue pas, il peut parler du matin au soir, il raconte des bêtises et il se fatigue pas. Mais quand il doit venir prier ou étudier, tout d'un coup, aïe, comment je suis fatigué? J'ai pas la force. Et la contradiction qu'il y a dans cette chose-là, que quelqu'un, il sent pas où elle est véritablement sa volonté. Il sait pas où elle est sa volonté. Est-ce que sa volonté, elle est de servir à Kadosh Baruch Hu ou de faire seulement un culte artificiel? Mais en fait, il n'est pas du tout là-bas. Et alors, tout ce qui a trait aux bêtises, il est le premier. Tout ce qui a trait au service divin, il n'est pas là-bas. Et nous savons qu'il y a écrit que Shabbat, c'est les premières lettres de Sheina be Shabbat Ta'anoug. Dormir Shabbat, c'est un vrai plaisir. Sheina be Shabbat Ta'anoug. Mais il y a aussi Shinun be Shabbat Ta'anoug. D'étudier la Torah Shabbat, c'est un Ta'anoug. Comment on peut faire les deux? On peut pas et dormir tout Shabbat et étudier tout Shabbat. Alors il y a quelqu'un qui a trouvé une astuce, il a dit j'ouvre le livre et je m'endors dans le livre. Et alors comme ça il fait les deux. Et il sent pas qu'il y a une contradiction. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et dans notre vie, souvent on fait plein de choses qui sont pleines de contradictions. Quelqu'un est venu voir le Rav, tout est énervé, et il lui dit j'ai ouvert une épicerie dans une certaine rue, dans notre ville, et mon voisin qui a aussi une épicerie, il est parti m'attaquer en justice. Pourquoi? Parce que je lui prends sa parnassa. Il n'a pas honte. Il ne croit pas en Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de bitachon. Il n'a pas confiance en Dieu. La parnassa, Dieu, il la donne à tout le monde. Pourquoi il a besoin d'avoir peur? Alors le Rav lui dit, ah, c'est toi qui crois en Dieu. Tu n'as pas peur pour ta parnassa? Pourquoi tu as ouvert une épicerie? Pourquoi tu n'as pas ouvert un magasin de fleurs? D'aller chez les autres pour voir comment eux, ils doivent avoir confiance en Dieu, c'est bien. Mais nous aussi, on doit avoir confiance en Dieu. On vit toute notre vie dans des contradictions. Si quelqu'un d'important, il est au Mizrach, il est assis devant à la synagogue, et tout d'un coup, on le voit enlever sa veste et enlever sa chemise, et hey, qu'est-ce qui t'arrive? On ne peut pas faire des choses pareilles. C'est honteux. Mais si tout d'un coup, on voit qu'il va mettre les tefilines, oh, alors il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que la honte, elle doit être là quand on fait quelque chose qui ne va pas avec ce qu'on pense qui doit être fait. Mais si on fait ce qui doit être fait, alors on n'a jamais honte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a souvent honte de ce qu'on n'est pas censé avoir honte et ce qu'on devrait avoir honte, on n'a pas honte. Alors, on doit se rappeler ça. Le peuple juif, quand ils sont passés la mer Rouge, il y a écrit qu'ils étaient en train de chanter pour Akadosh Baruch Hu et ils portaient avec eux l'idole de Micha. Il n'y avait pas de problème. Ils étaient des idolâtres et ils portaient une idole avec eux et ils chantaient des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention quand on arrive au Matan Torah de se rappeler qu'on ne peut pas vivre dans un monde de contradictions toute notre vie. On doit se rappeler ce que Eliyahu Navi a dit, Admatay etem posrim achete asiifim. On doit se rappeler pourquoi on est là dans ce monde-là. On est sorti d'Égypte pour servir Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï, pour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Si on a compris ça, on a tout compris. Si on a loupé ça, on a tout loupé.